Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un haul. Donc ça va être un haul Zaful. Donc c'est un haul pour les vacances. J'ai pris des maillots de bain, des accessoires, des shorts, des petits tops. J'ai fait une petite sélection, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Bien évidemment les liens seront dans la barre d'infos. Vous aurez aussi je pense un code promo qui sera dans la barre d'infos. Je vais vous montrer ma sélection pour cet été. Et c'est parti. C'est parti. Oui, donc petite précision, j'ai reçu les articles en une semaine, même pas. Mon colis, il a été envoyé en deux parties. Mais sinon, ça a été livré assez rapidement, genre une semaine et demie, j'avais reçu tous mes articles. Là, je vais vous présenter les articles sans plus tarder. Pour commencer, je vais vous parler des accessoires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris une petite pince comme ça, j'aime beaucoup les pinces pour les cheveux. Je mets beaucoup de pinces dans mes cheveux, je mets plus de pinces que de chouchou. Donc j'ai voulu prendre une petite pince en or. Ça, elle est trop jolie pour faire une belle petite coiffure. Alors ensuite, j'ai pris des petites créoles comme ça. Je vais sortir du plastique pour que vous puissiez bien voir. Voilà, les créoles, elles sont comme ça. Elles sont assez grosses, épaisses et elles sont courtes par contre. Mais voilà, je trouve que ça change, donc j'aime bien. Vous pouvez voir les motifs, enfin, c'est pas vraiment des motifs, mais c'est pas des créoles genre standard quoi. Et vous pouvez voir aussi que là, je porte des créoles, donc c'est des créoles de chez Zaful. Je les aime trop. C'est un lot comme ça. Il y a une paire qui manque, c'est celle-ci. Mais elles sont vraiment trop jolies. Enfin, je kiffe. Je sais pas si vous allez bien voir. Je les trouve vraiment trop belles. Genre, des petites créoles dorées avec un peu de perles. Ça fait très été. Même avec du noir, je trouve que ça fait ressortir le visage. Enfin, je sais pas, ça fait quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, le set, il est comme ça. Petites créoles avec des perles, des créoles classiques. Des petites boucles d'oreilles diamant, des boucles d'oreilles perles et des petits cœurs. On passe au maillot de bain. Alors j'ai pris quelques maillots de bain. Il faut savoir que j'avais déjà collaboré avec Zaful et j'avais pris des maillots de bain. Un maillot de bain que j'avais saigné l'été dernier. Sauf que je ne m'en rappelais plus ma taille et j'avais pris une taille M. Sauf que là j'ai pris une taille S et en fait ça me va trop petit. J'aurais dû prendre du M, j'ai pris du S. Bon après si je maigris vraiment... je pourrais rentrer dedans, mais là c'est pas le cas quoi. Si les mannequins portent les maillots de bain portés, je vous mettrai une photo sur l'écran parce que j'ai pas envie de m'afficher sur les réseaux sociaux en maillot de bain ou en sous-vêtements. Si vous regardez mes hauls, vous le savez. J'ai pris un maillot de bain bleu, comme ça vous voyez, enfin, moi j'ai pas une grosse poitrine, mais ma poitrine ne rentre pas dans ça quoi. Un peu dégoûtée parce que j'en ai pris plusieurs, mais c'est pas grave, je vais les donner à ma petite sœur. Là vous avez le bleu comme ça, la culotte elle est comme ça, ici vous avez aussi des petits lacets pour faire un tour sur votre ventre. Et le derrière, il est comme ça. Franchement, qui dit été, qui dit maillot de bain blanc. Genre, c'est obligé d'avoir un maillot de bain blanc. Donc, je me suis dit, ouais, je vais prendre un maillot de bain blanc parce que j'en ai pas. Je suis en train de réfléchir, j'en ai pas, mis à part celui de l'année dernière, bah, le Zaful, que j'ai beaucoup porté. Du coup, j'ai pris celui-ci qui est aussi bah, trop petit. Donc voilà, il est comme ça, il est tout simple. Vous avez un petit truc ici pour resserrer au milieu. Il est super beau. La culotte, elle est comme ça. Et ensuite, mon maillot préféré. Alors là, c'est sûr que je le garde. Je peux pas le donner en fait, parce qu'il est trop beau. Je vais maigrir. Clairement, je vais maigrir. Il faut que je porte ce maillot. Il est magnifique, mais avec un beau bronzage là. Oh, le maillot de bain là, il est pas commun. C'est pas, vous allez voir tout le monde avec. Donc ça, j'aime trop. Il est marron, beige, en fait c'est les couleurs, elles sont doublées de façon, il y a plusieurs lacets, mais il est trop beau, je sais pas si vous voyez bien en fait, mais il est magnifique, avec un beau bronzage, oh, la culotte elle est comme ça, et le derrière il est comme ça, donc ça va au niveau du derrière, c'est pas échancré, le mélange de couleurs là, je kiffe en fait, je kiffe. Pour les vacances, j'ai pris un petit haut comme ça pour aller à la mer ou même se balader, avec un petit short en jean, là ça passe trop bien. Je vous montre de près les détails. Vous avez des petits coussinets ici, si vous voulez pas porter de soutien. Bon, en général les hauts comme ça, ça se porte sans soutien quand même. Ça rappelle trop l'été, j'ai trop hâte de le caler. J'ai oublié deux accessoires. J'ai pris cette paire de lunettes là, elles sont trop belles. Je vais vous montrer porter. Porter ça donne ça, je les kiffe. Elles sont trop jolies. My type en fait, my type. T'as pas le temps en fait. Ouais, ou pas. T'as pas le temps. T'es quelqu'un quoi. Ensuite, j'ai pris des élastiques pour les cheveux. Donc, ça arrivait dans une petite bouteille. Élastique quand même qui serre les cheveux. J'en ai testé un. Ça va, ça sert. Mais pour les filles qui aiment vraiment avoir les cheveux tirés, vous pouvez pas faire beaucoup de tours avec. Donc, voilà, je vous préviens.
Mais sinon, si vous avez les cheveux lisses et tout, vous voulez attacher vos cheveux vite fait, ça passe. Maintenant, on passe aux vêtements. Je vais vous montrer les vêtements que j'ai pris. Alors, j'ai pris un body noir comme ça. Il est côtelé, je vais vous montrer de près après. J'ai pris une taille S, mais je le trouve un peu grand pour du S quand même. Petite fermeture, et vous pouvez voir que là, c'est côtelé du coup. Il est trop beau. J'ai pris ce short en jean là, ça change de mes shorts en jean. Donc voilà, je voulais un short en jean qui change un peu. Il est bleu avec des espèces de petits détails. Bah si ouais, vous allez le voir, j'ai pris une taille 40 au niveau des bas. Au niveau des hauts, j'ai pris une taille S. Ensuite, j'ai pris un petit top comme ça. Je sais pas si vous allez voir c'est quoi un peu comme top. Bon, c'est un top un peu compliqué, mais voilà, j'aimais bien. Là, vous avez des petits coussinets. Les manches longues, côtelées. Enfin, vous le voyez même de loin hein, qu'il est côtelé. Regardez de près. De près, ça donne ça. Mais de loin aussi, vous voyez qu'il est côtelé. Là, j'ai pris un top. C'est un top, il est un peu compliqué quand je vais vous montrer comme ça. Enfin, vous le verrez dans le close-up, mais sinon, il est compliqué. Comme ça, vous avez un col roulé. Et le dos, il est dos nu. J'aimais bien les petites coutures et tout. Et en col roulé, je trouve que ça fait grave beau. Enfin, ça fait son effet. Par contre, je sais pas comment je vais le porter. Parce que moi, en général, je porte des soutiens avec mes hauts. Et vu que là, c'est un dos nu, bah, je peux pas porter de soutien. Mais je porte des brassières dans ces cas-là. Mais ça va se voir. Enfin, je sais pas, je vais essayer de faire un truc pour que ça se voit pas. Ensuite, j'ai aussi pris un ensemble de sport que j'ai en noir de chez Zafoul. Et cette fois-ci, je l'ai pris en gris. Donc, c'est un petit top comme ça. Avec plein de petits ronds. À un moment, il y avait une mode avec ces hauts-là. Et c'était des vêtements anti-cellulite. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ils sont super confortables, super bien. J'ai pris une taille S. Donc, j'ai pris le short qui allait avec. Vous portez ça pour aller à la salle. Un petit truc autour de votre taille. C'est carré. Et puis, même si vous n'avez pas trop envie de sortir, même si vous devez faire des courses vite fait, enfin, vous devez aller en quelque part vite fait, vous portez ça quand il fait chaud. Ça passe crème. Franchement, les ensembles comme ça, vous êtes à l'aise. C'est trop ma cam. C'est trop ma cam. Je kiffe. Ensuite, j'ai pris un short en jean qui est un peu long. Comme ça. Tout simple. À porter avec un petit top. Vous portez avec tout en vrai. J'ai pris un body comme ça pour mettre, par exemple, avec un jean. Un jean bien large et des talons noirs. Ça va trop faire son effet. Même avec un blazer et tout, là. J'aime trop, je sais pas si vous voyez c'est quel genre de haut, mais il y a plein de gens qui le portent sur Instagram et je trouve ça trop beau. Enfin, j'ai encore pris un short, donc là c'est un short un peu délavé et en bas vous avez des froufrous, enfin c'est déchiré quoi. Donc voilà, j'aime bien. En fait, ce qui est bien avec les shorts de chez Zafoul, c'est qu'ils sont pas trop courts. Vous pouvez voir que bah, le short est relativement long. Donc moi c'est ce que j'aime parce que j'aime pas les shorts qui vont râler pas crête. On est fatigué en fait, on est fatigué. Short pour cet été sympathique à mettre avec tout. Et pour terminer, j'ai pris un petit truc que je pourrais porter soit à la plage, soit partout. Enfin je peux le porter partout, mais dans ma tête c'est pour le porter à la plage avec un petit maillot de bain bleu que j'avais pris. Mais bon, c'est pas grave. C'est une chemise comme ça, un peu de baseball, je crois que c'est baseball hein. Voilà, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de petites chemises qui font leur effet avec une casquette ou avec un bob. Je me vois trop. Je me vois trop en fait. Et je l'ai pris chez les hommes en XL pour que ça soit bien grand, bien large et tout. Donc voilà. Donc voilà les filles, ce haul été est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez vous procurer les mêmes articles que moi, n'hésitez pas à checker du coup la barre d'infos. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Et comme j'ai dit au début, si j'ai un code promo, bah, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Merci à Zafoul de m'avoir contacté. Ils m'ont contacté du coup pour le haul. Et c'est parce que c'est leur 8e, je crois, anniversaire, si je me trompe pas. Et si je me trompe, bah, je rectifierai sur l'écran. Mais je crois que c'est ça. En tout cas les filles, dites-moi si ce haul vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Comme d'habitude en fait. Me donner de la force en fait. Me suivre aussi sur mes réseaux sociaux parce que ben, c'est là où je suis un peu plus présente. Si je suis pas présente sur YouTube, je suis présente sur Instagram, sur Snapchat. J'essaie d'être active mais c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux qui seront aussi dans la barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.